Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Aujourd'hui nous allons parler de comment faire face... « Aux imprévus de la vie ». Et nous avons encore avec nous notre invité, le pasteur Guy Gosselin. Bonjour, pasteur Guy. Bonjour, Nadine. Bonjour, Aurélie. Ça va Content très bien. d'être avec vous aujourd'hui. Content que vous soyez là. Si hier, vous n'avez pas suivi l'émission, je vous invite fortement à la suivre en replay sur emcitv.com. On a parlé de surmonter les échecs, parce que oui, les échecs peuvent arriver à chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, on va creuser encore plus en, en se posant la question « Comment est-ce qu'on réagit face aux imprévus de la vie ?» Et Aurélie, tu me faisais penser que c'est moi qui anime aujourd'hui, donc c'est une réaction face Yveline à un imprévu. Il a eu un imprévu. <laughs> exactement. Yveline a eu un imprévu et je la remplace aujourd'hui cette semaine et je suis vraiment bénie et je la salue. Et Pasteur Guy, comme je vous ai présenté hier, on a parlé du côté ministériel. Vous êtes un homme qui a une longue feuille de route dans le ministère, mais vous êtes aussi un papy et un papa. Exactement, et oui. Marié depuis de 30 ans, m'avez-vous dit Oui, ça, ça fait plus de 32 ans que wow, je suis marié, marié avec Lynn, une femme extraordinaire. Wow, on, on vous salue, Lynn. <laughs> C'est sûr qu'elle va écouter. Puis euh, J'ai quatre merveilleux enfants et je suis papy d'une belle petite fille, Lexi, qui a, euh, il y a eu un an le 18 octobre. <laughs> <C 'est ça. rire> Mais moi. <laughs> mais Donc, je, je suis un homme comblé, béni oui, oui. puis ah. je crois qu'il va avoir plusieurs autres petits enfants qui ah, mais... à la... non, Alors, je salue délancer. mes enfants. La belle Lexie, je t'aime. <laughs> Merveilleux. Aujourd'hui, vous allez nous partager sur vraiment les faire face aux épreuves et on va faire une. Il y aura une. Passons. J'ai une question justement. Vous allez répondre à la question de Mireille de l'île de la Réunion qui a dit comment faire pour garder sa paix au milieu des épreuves et vous allez répondre à cette question tout à l'heure. Et moi, dans la rubrique Culture et Média, comme tous les jeudis, je vous apporte quelque chose et aujourd'hui, je vais vous partager sur des outils d'organisation pour 2021. Ça arrive déjà bientôt et on peut s'organiser, se préparer à l'avance et on va partager ça tout à l'heure. Mais avant ça, on va commencer avec vous, Pasteur Guy, dans la pensée du jour. Bien oui, la pensée du jour aujourd'hui euh, à l'aube de Noël et on va parler quoi faire quand on apprend une mauvaise nouvelle. Donc, une mauvaise nouvelle produit toujours une réaction, une émotion qui n'est pas vraiment joyeuse ni positive sur le coup. La Bible donne des conseils sur quoi faire quand on apprend une mauvaise nouvelle, puis on a des histoires bibliques qui vont nous aider à... À voir comment des hommes ont réagi biblique, ont réagi à des mauvaises nouvelles, puis ça va nous encourager nous-mêmes à peut-être avoir le même genre de réaction quand on, on apprend des mauvaises nouvelles. Puis le premier exemple qui vient en tête, c'est Néhémie euh, dans l'Ancien Testament. Néhémie, qui était exilé, un juif exilé, qui était au service du roi à Suse, dans la capitale de Babylone, il a appris une mauvaise nouvelle, il a appris que la ville, du peuple de Dieu, de Jérusalem, la ville de Dieu de Jérusalem avait été complètement détruite, les murs avaient été brisés et détruits et la ville était, était à la merci des ennemis. Donc, dans Néhémie 1, verset 5, la Bible nous dit que quand Néhémie a entendu ces paroles-là, cette mauvaise nouvelle-là, il s'est assis et il dit Je m'assois, je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. Némi a eu une réaction humaine normale sur le coup quand il a appris la mauvaise nouvelle. Bon, dans cette mauvaise nouvelle-là, il a pleuré, C'était une nouvelle triste, il s'est mis à pleurer. Mais quand il fait vraiment, il n'a pas nourri sa tristesse longtemps. La Bible dit, il s'est mis à prier le Dieu qui est au ciel. Puis c'est ça qu'il faut faire quand on apprend une mauvaise nouvelle. Oui, on a notre réaction humaine qui est tout à fait normale. Mais mais quoi faut faire quand on apprend Il faut prier. Il faut prier le Dieu qui est au ciel. C'est pas le temps de paniquer quand on apprend de mauvaises nouvelles. Quand qu'on apprend de mauvaises nouvelles, puis on a une réaction humaine, c'est le feu vert, c'est la lumière pour nous dire faut aller prier. Faut aller parler au Dieu qui est au ciel. Puis c'est important de prendre ça parce que c'est pas le temps de paniquer, c'est le temps de prier Dieu et c'est auprès de Dieu qu'on va trouver la paix qu'on a besoin alors que là on l'a pas nécessairement à, à, comme émotion. Puis dans la prière Néhémie il a prié, puis dans la prière il a eu à cœur de rebâtir les murs de Jérusalem. Puis là il a demandé à Dieu, Seigneur, j'ai à cœur de rebâtir. C'est ça que tu veux, Seigneur Puis là il s'est mis à prier, il a commencé à rêver, puis il y a des stratégies qui sont venues, puis on connaît l'histoire. Dieu a dit oui, il a donné sa faveur auprès de tout partout, de tout fait où ce qu'il avait besoin d'avoir une faveur, Dieu l'a donné et ils ont rebâti les murs de Jérusalem. Il y a le roi Josaphat aussi dans l'Ancien Testament que euh, lui-ci a appris une mauvaise nouvelle, il était roi de Judas puis là il a appris la mauvaise nouvelle que les peuples ennemis autour, les Moabites, les Ammonites puis toutes les Hittes qu'il y a dans la Bible, <laughs> il a appris cette mauvaise nouvelle-là que là les peuples ennemis étaient pour venir attaquer le peuple de Dieu et, et faire mal au peuple de Dieu et même détruire des gens et la la Bible dit dans 2 Chroniques 23 Josaphat eut peur et décida de se cacher. Non, la Bible dit que Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il a même proclamé un jeûne pour tout le peuple de Judas. Il a eu la réaction normale. Il apprend une mauvaise nouvelle, il va se faire attaquer. Là, lui, ce n'était pas de la tristesse. Là, c'était de la peur. C'est une, une autre nouvelle qu'il a apprise. Mais il a eu peur, réaction normale humaine sur le coup. Mais qu'est-ce qu'il a vraiment fait il a prié Dieu. Mm -hmm. Il a cherché Dieu, puis il a dit au peuple même de prier, puis de jeûner. Puis si on, on lisait l'histoire au complet, là, on verrait que le peuple s'est mis à prier, s'est mis à, à, à chercher Dieu. Et là, il y a un prophète qui s'est levé, puis là, il a dit au, au roi, puis au peuple, il a dit, Eh, hey, le Seigneur vous dit, n'ayez pas peur devant cette immense armée. Le résultat ne dépend pas de vous, mais de moi, dit votre Dieu. Je vous délivrerai car je suis avec vous. Et, et en continuant l'histoire, le peuple... S'est levé, est allé au front, il est allé se présenter devant l'ennemi. Puis Dieu y avait dit Tu iras pas avec les épées, tu vas y aller avec la louange. Mm -hmm. Et le peuple s'est mis à louer Dieu, à adorer Dieu. Et là, Dieu euh, 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 a mis la, la zizanie dans les peuples ennemis. <laughs> puis Ils ont commencé à, à se battre entre eux autres, et le peuple a gagné. Mais moi, tout ce que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'il a fait en premier quand il a appris la mauvaise nouvelle Au lieu de se décourager, oui, il a eu peur, mais il est allé prier son Dieu. Puis, il étaient allés demander au peuple de prier Dieu. Et, et là, ils ont, ils ont eu le, la victoire, finalement. Là, et, et la dernière que je veux partager avec vous, c'est Paul et Silas. Alors que Paul et Silas faisaient le ministère, partageaient la bonne nouvelle, il y avait toujours une femme qui les suivait. Et la Bible dit qu'elle avait un esprit de piton, donc un esprit de divination. Bon, pour nous autres, pour que ce soit plus simple, elle, elle disait la bonne aventure, finalement. Et, et, et elle les achalait, là, elle les harcelait. Puis à un moment donné, Paul, il s'est tanné. Il s'est viré de bord, il a adressé le mauvais esprit qui était dans cette femme-là, puis il a dit Au oh, nom de Jésus, esprit de Python, sors de, de cette dame-là. Et, et, et elle a été délivrée instantanément. Le problème, c'est que là, cette femme-là, a rapportait de l'argent à ses employeurs parce qu'elle disait à Bonaventure, puis c'était populaire aussi dans ce temps-là, pas juste aujourd'hui, <laughs> dans ce temps-là aussi. Et, et, et là, les, les gens qui. Qui étaient les employeurs de, de cette dame-là. Ils n'étaient pas contents, pas après la fille. Ils n'étaient pas contents après Paul et Silas, que c'était à cause de autres qu'ils avaient pu le don de prédire l'avenir. Alors ils ont fait battre à coups de fouet Paul et Silas et ils ont fait mettre en prison. Dans ce temps-là, ça marchait de même, c'est pas comme ça aujourd'hui. Mais euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Paul et Silas quand ils ont appris la mauvaise nouvelle? Qui se faisait arrêter, qui se faisait battre, qui se faisait pitcher en prison. Actes 16 verset 25 vers minuit. Paul et Silas sont en train de chialer. De parler contre les autorités, puis ils sont en train de crier à l'injustice. Non, c'est pas ça que la Bible dit. Dans Acts 16, 25, ça dit vers minuit, Paul et Silas sont en train de prier et de chanter des louanges à Dieu. Et les autres prisonniers les entendent. Tout à coup, il y a un violent tremblement de temps qui arrive. Les murs de la prison se mettent à, à shaker, à bouger, à être secoués. Et les portes s'ouvrent et les chaînes de tous les prisonniers sont brisées. Waouh, C'est pas juste les chaînes de Paul et Silas. Ça a libéré tout le monde. Wow, quelle, quelle, merveilleuse, quelle merveilleuse histoire! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Paul, ici, là, quand ils ont appris la mauvaise nouvelle? Ils n'ont pas crié à l'injustice, ils ne se sont pas plaints, ils ont prié Dieu puis ils ont loué le Seigneur. Alors, euh, chers amis, qu'est-ce qu'on fait quand on apprend une mauvaise nouvelle? Oui, on a notre réaction normale, mais il ne faut pas nourrir ces émotions-là. Il faut prier le Dieu qui est au ciel Puis on. On va avoir une paix qui va venir. Ça va nous aider à surmonter et les imprévus de la vie. Et, et je voulais partager ça dans la pensée du jour aujourd'hui avec vous. Amen. amen. Merci, Pasteur Guy. Merci pour cette belle pensée. Amen. Et ces trois exemples, on va y revenir dans la discussion. Mais tout d'abord, on va regarder notre verset du jour qui est dans Naoum 1, verset 7. J'aime bien dire ce, ce nom, Naoum. <laughs> <laughs> la Bible dit l'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et je dis Amen, Amen, Amen. Amen. Amen, effectivement. Et le pasteur Guy, il nous l'a clairement expliqué, hein, que le réflexe, justement, lorsqu'il y a des imprévus comme ça, c'est de se confier à Dieu. J'ai beaucoup aimé euh, l'exemple oui. de la pensée. Et ça m'a fait penser aussi à certains exemples. Et quand tu m'as parlé de cette émission, Nadine, mais je me suis dit, ben oui, c'est vrai que dans la Bible, il y a des personnes qui ont vraiment vécu des situations où ils apprenaient des choses. Et c'était terrible, un peu comme les exemples que le pasteur Guy a a mis en place. Et il y a deux deux exemples, moi, qui m'ont interpellé. Il y a celui d'Élie et il y a un exemple avec David. Mm -hmm. Élie, il apprend que Jézabel veut le tuer mm -hmm. et il a pas cette réaction que le pasteur Guy, mm -hmm. <laughs> il a dit en fait. La Bible dit qu'il a erré, c'est la première chose qu'il a faite, après, il a demandé la mort <laughs> au lieu de demander la solution mm -hmm. à Dieu. Et au final, il a démissionné parce que c'est après toutes ces plaintes que Dieu lui dit ben, il faut aller oindre Élisée et, et d'autres personnes. Et ça, c'est une attitude que certaines personnes peuvent avoir. Mm -hmm. C'est qu'au lieu de choisir de se confier à Dieu, tu commences à dire ok, ben, je veux démissionner, je, je repousse cette chose, en fait, au lieu de tout simplement ouvrir ton cœur à Dieu. Mm -hmm. À, à l'inverse, un peu comme le pasteur Guy euh, l'a mentionné, il y a des personnes comme Néhémie l'a fait, euh, comme David. Pareille situation, ils reviennent dans leur village, ils voient qu'on a pris les femmes, okay. les enfants et tout le monde. La Bible dit qu'ils ont crié et pleuré jusqu'à l'épuisement. Comme quoi <laughs> c'était vraiment dur, ça fait partie des situations de la vie comme Pasteur Guy le disait où tu as le droit de manifester tes émotions. Mm -hmm. Quand quelque chose est dur, tu peux le manifester, mais après la Bible dit que David a pris des forces et il a commencé à se confier à Dieu. Mm -hmm. Et quand il a commencé à se confier à Dieu, il a posé la question à Dieu, est-ce que j'attaque ou est-ce que je n'attaque pas et là il a une réponse. Mm -hmm. Donc tout ça pour dire quoi Pour dire que Parfois, on veut justement soit juste baisser les bras comme Elie a fait, soit juste se lamenter, errer. Mais quand on choisit d'ouvrir son cœur à Dieu, mais Dieu a un plan au-delà de la situation ou de l'imprévu qu'on vient de vivre. Absolument. Wow. Merci. Et justement, Pasteur Guy, dans les trois exemples que vous avez cités dans votre pensée, les personnes ont eu une émotion, puis c'est correct, c'est normal d'avoir l'émotion, mais il ne faut pas se rester à cette émotion-là. Chacun a réagi différemment. La prière, pour, la louange pour certains, et des, des, des solutions ont été données, mais c'était vraiment de quitter de l'émotion à la prière. Il y a comme un oui. pas en fait à, à faire. Oui, il ne faut, faut pas. Il faut juste faire attention de ne pas nourrir nos émotions mm -hmm. premières, nos réactions premières qui sont... Juste normal là, pour, pour les êtres humains. Mais nous, comme enfants de Dieu, on, on a un privilège. C'est facile là, pour nous aujourd'hui de dire euh, quand il y a une mauvaise nouvelle, il faut que tu pries. Mm -hmm. Mais ce c'est pas nécessairement le premier réflexe. A. dans la vraie vie. Pis, nous, on s'encourage, c'est pour ça qu'on est là, là mm -hmm. les frères, les sœurs. Il faut mm -hmm. s'encourager. Quand il y a une mauvaise nouvelle, il ne faut pas baisser les bras. C'est un bel exemple d'Élie, négatif, dans mm -hmm. le sens que ça a eu un impact, lui, dans sa vie mm -hmm. sur l'autre côté. Mm -hmm. Mais en même temps, il ne faut pas non plus se décourager de dire euh, peut-être tu tu nous écoutes, puis tu, tu vis justement de mauvaises nouvelles, puis tu es juste découragé, puis tu es juste sur le bord de baisser les bras toi aussi, ça. puis d'abandonner. Tu disais, hey, ben moi, j'ai même pas prié en premier, je n'ai même, même pas prié encore, mais c'est pas parce que tu n'as pas prié que c'est fini. Tu peux prier là, là. Dit, voilà. On s'encourage de prier en premier, mais au bout de tout, au moins, finis par prier <laughs> à quelque part, là. Ne bon. pas laisser la mauvaise nouvelle. Te, te, te paralyser, te, te décourager. Euh, moi, il y a un verset là, que, qui, qui m'inspire, qui me bénit c'est Heureux l'homme et la femme qui craignent l'Éternel dans mm -hmm. le ou 112, mm -hmm. où la femme l'homme et la femme qui respectent Dieu, qui aiment Dieu, tu sais, vraiment euh, avec une passion, tu sais. Puis dans le verset 7, je crois, ça dit Cette, cette personne-là qui craint l'Éternel, qui aime Dieu, qui respecte Dieu, n'a pas peur des mauvaises nouvelles mm -hmm. parce que son cœur est ferme et confiant dans le Seigneur. Hmm. c'est pas parce que tu t aimes Dieu passionnément que tu es à l'abri des ça. mauvaises mmh. nouvelles. Hein? Mmh. Mmh. Tu vas en apprendre des mauvaises nouvelles. Mmh. Il va en arriver. Le, le monde meurt. Mmh. Les, les gens, oui, ça oui, arrive. Je pense qu'il faut juste s'encourager mmh. dans, dans les exemples qu'on a de dire, écoute, on a un Dieu extraordinaire. Mmh. On a une grâce. Puis même Élie, qui avait peut-être pas la bonne réaction, mm -hmm. mais Dieu il a pris soin de lui quand oui, même. Il nous abandonne pas pareil, le mm -hmm. Seigneur. Fait, faut mm -hmm. vraiment garder confiance en Dieu parce que cette, mm -hmm. cette confiance-là va venir nous aider dans la oh, ouais, à la surmonter, oui, à, ré, à bien réagir devant les imprévus de la vie. Oui, mm -hmm. Et je me rappelle un, un pasteur qui nous a raconté qu'ils ont perdu euh, des jumeaux mm -hmm. et quand ils ont perdu des jumeaux, bien, ils étaient vraiment découragés et tout. Bien, la femme pleurait. Le mari aussi, euh, qui est pasteur, il pleurait, il est allé dans sa voiture, il dit qu'alors qu'il pleurait, mais là, il a commencé à prier le ah, Seigneur, mais vraiment, il priait. En fait, il bénissait Dieu. Il, il était pas dans une attitude de reproche, il bénissait Dieu. Et depuis ce temps-là, il dit, son ministère a pris une nouvelle, une nouvelle ampleur depuis ce temps-là, parce qu'il était justement dans la reconnaissance. Et je pense à toutes les personnes qui nous écoutent, justement, où l'imprévu de leur vie a été vraiment un choc, mais d'une très grosse ampleur. C'est juste de leur dire que, comme le pasteur Guy a dit, Dieu, il prend soin de nous. Il, il connaît ces blessures euh, de notre cœur. Il connaît cette situation-là qui est venue te, te challenger. Il sait en fait que ce n'est pas facile pour toi. Mais alors que tu choisis de ne, pas, de ne pas en finir avec ta vie, je pense aux gens qui veulent juste se suicider quand oui. ça ne va pas, oui. aux personnes vraiment qui sont tellement découragées, elles pensent que tout est fini. Mais vraiment, Dieu, il est là. Et alors que Dieu est là, il veut accomplir quelque chose d'extraordinaire. Parfois, la situation est tellement difficile qu'on ne voit que cette situation-là. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de se rappeler que Dieu a le meilleur pour nous. Le meilleur est devant nous. Et de ne pas baisser les bras et de se confier à Dieu, comme on a dit, et il va faire. Amen. Merci Amen. beaucoup, René, pour cette... Merveilleuse conclusion à la discussion et Pasteur Guy, je me tourne vers toi pour la rubrique Pasteur. J'ai une question. On a reçu une question de Mireille de la Réunion qui dit justement comment faire pour garder sa paix au milieu des épreuves. c'est une excellente question puis c'est très pertinent pour tout être humain, incluant les chrétiens. Euh, tout le monde vit des épreuves là. T'sais. Puis euh, pour garder la paix au milieu des épreuves, je pense que c'est important de comprendre que les épreuves sont vécues par tous les êtres humains. Tout, tout le monde vit des épreuves. Qu'un chrétien dise, ah ben là, moi, là, je vais abandonner le Seigneur parce que là, je vis trop d'épreuves, puis euh, je retourne dans le monde parce que là, je vis trop d'épreuves. Mais c'est peut-être pas la bonne solution parce que même si tu retournes dans le monde, tu vas encore vivre des épreuves pareilles parce que c'est le lot de la vie sur terre, les épreuves, les souffrances, puis tout le kit. Même Jésus a dit vous aurez des tribulations dans ce monde, vous aurez des souffrances. Des tribulations, c'est des souffrances, des moments difficiles, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde, vous autres aussi, vous allez le vaincre, puis vous allez surmonter ça aussi. Donc, mais il a juste dit vous allez en avoir. Ça fait partie du lot de. de, de... Mais comment garder la paix dans tout ça? Là? Et euh, j'ai juste quelques secrets à vous partager, puis ce pas les miens, c'est les secrets de la Bible, la <laughs> parole de Dieu, là, je, je, mais on veut les partager avec vous. Il y en, il y en a beaucoup de secrets, mais on va, on va n en, n en dire quelques-uns. Ben, un, c'est prier, c'est sûr que ça en est un. Puis il y a Philippiens 4, 6 et 7 que plusieurs connaissent, que quand on s'inquiète, c'est le, le verset à dire, ne soyez inquiets de rien, mais... Demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Faites connaître vos besoins à Dieu. Puis, puis quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant la gratitude que tu parlais tantôt. Et la paix de Dieu qui dépasse ce qu'on peut comprendre va garder, puis ça c'est important, là, va garder nos cœurs et nos pensées mm -hmm. unis à Jésus-Christ. Mm -hmm. Parce que quand on vit des épreuves, c'est nos pensées qui vagabondent, c'est nos pensées qui sont affectées, c'est notre cœur qui est intoxiqué à cause de, de, de toutes les pensées. Mais là, pourquoi Dieu t'a permis ça? Puis là, il y a beaucoup de pourquoi, il n'y a, a pas beaucoup de réponses souvent. Là, et, et on a besoin de venir à Dieu, puis de lui dire comment on se sent, là. de dire, hey, je, je suis inquiet. C'est vrai, c'est une, une émotion vraie, l'inquiétude. Mais, cher ami, quand l'inquiétude... Frappe à ta porte puis tu t'inquiètes, c'est juste un signal, une lumière rouge de dire il faut que j'y aille parler à mon Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Puis euh, ça, c'est une façon de garder la paix. Puis je vous le dis, ça marche. Ça marche vraiment. C'est une vraie promesse de Dieu. Puis moi, quand je t'inquiète, j'y dis. Puis c'est vrai que la paix vient. C est, c est, écoute, ça fait 37 ans là, que je dis ça. <laughs> Deuxième chose, faire confiance à Dieu. Il y a un verset extraordinaire que j'aime. Dans la parole de Dieu, c'est dans le psaume 56, versets 4 et 5, qui dit c'est le psaume il dit, -Miss, il dit Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. C'est quoi, il dit Quand j'ai peur. Ça veut dire, ça nous arrive à tout, tout le monde. Quand j'ai peur, je mets ma confiance en toi. Puis, verset 5, il dit Je chante le louange à Dieu à cause de ta parole. J'ai confiance en Dieu, j'ai plus peur. C'est ça qu'il dit, le verset. Fait tu pars avec la peur. Puis là, tu choisis. Oui, j'ai peur, mais je vais aller voir mon Dieu. Je vais mettre ma confiance en Dieu. Je ne je laisserai pas la peur venir me paralyser. Puis là, je vais me mettre à louer le Seigneur, prière, louange. Puis là, tout d'un coup, la confiance en Dieu revient. Tu sais qu'il est en contrôle. Tu sais qu'il est là. Au milieu de la COVID, c'est une excellente occasion de pratiquer ça, de mettre notre confiance en Dieu, de pas T'as peur? OK. Va voir Dieu. Commence à louer le Seigneur malgré tout. Puis là, tu commences à avoir confiance en Dieu. « ah, Dieu est en contrôle, il est là, il pas abandonné. » Tu n'as plus peur. <laughs> tu veux garder la paix? Crie à Dieu, tourne-toi vers Dieu. Euh, se décharger sur Dieu de tous nos soucis, de tous nos fardeaux. Il euh, y a un verset merveilleux qu'on cite dans 1 Pierre 5, 7 qui dit « déchargez-vous sur lui ». Mais dans le psaume 55, verset 23, il y a quelque chose de puissant là qui dit « dépose sur le Seigneur, pas sur le pasteur ». Pas sur quelqu'un, dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi. Il te fera tenir debout et il ne laissera jamais le juste tomber. Wow, ça, c'est vraiment merveilleux, c'est super. Euh, je pourrais dire un autre secret pour garder la paix en terminant cette, cette rubrique-là c'est que le Seigneur est toujours avec nous, même dans l'épreuve. Mm. Puis je vais terminer avec le verset qui dit dans Isaïe 43, 1 à 5, le Seigneur dit ceci. Et il te dit ceci à toi aujourd'hui, celui qui t'a créé, qui t'a formé, il te dit « N'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, dit le Seigneur. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. » Il n'a pas dit que jamais tu vas traverser l'eau. Il dit « Quand ça va arriver, là, je vais être avec toi. N'aie pas peur. Quand tu vas passer les fleurs, tu ne te noieras pas. Tu vas t'en sortir, tu vas passer au travers. Garde ta main accrochée à la mienne. » N'aie pas, décourage-toi pas, je suis avec toi. Quand tu marcheras au milieu du feu, ça, ça veut dire qu'elle va chauffer, ça va brasser. Mais le feu ne te brûlera pas, les flammes ne te toucheront pas parce que moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, je suis avec toi. Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. N'aie pas peur, je suis avec toi. Amen. Amen. Merci beaucoup, Pastor. Que la paix du Seigneur soit avec vous, mes frères. Amen. <laughs> Même Merci. dans l'épreuve. <laughs> Merci beaucoup pour cette réponse très complète, avec beaucoup de versets. Je crois que vous pouvez réécouter. Et euh, écrire ces versets, les méditer, si c'est votre cas, si vous passez par travers vraiment des, des imprévus, des mauvaises nouvelles, de se saisir de ces versets-là, de ces paroles-là, pour dire oui, Dieu est avec moi et il me porte à travers ce, ce moment difficile, il me garde et assurément, j'arriverai de l'autre bord comme le pasteur l'a expliqué. Si vous avez des questions bibliques sans réponse, vous pouvez nous écrire à pasteur -une -question et nous ferons un plaisir de peut-être sélectionner votre question pour une prochaine émission. Merci beaucoup. On va continuer avec la rubrique. Culture et Média. Alors, comme je disais en début d'émission, Yveline est absente aujourd'hui et c'est moi qui remplace en, en animation, mais en culture et médias, c'est toujours moi quand même. Je reste la chroniqueuse. Je reste la chroniqueuse <laughs> sur les médias. Et aujourd'hui, je partage avec vous différents outils. On est en train d'aller dans la nouvelle année, des outils d'organisation pour, pour nos vies, en fait, pour notre quotidien. On va commencer avec celui-ci, vous voyez la, la petite affiche à la télé. C'est l'agenda multidimensionnel, mon agenda multidimensionnel du pasteur Nina Mabwadi. C'est un agenda, mais elle dit en plus d'être un agenda, c'est un, un organisateur, pardon, de la gestion du quotidien, cest vous avez des rendez-vous, des séminaires, votre temps avec Dieu, etc. Elle a mis ici en place en fait un principe. Pour s'organiser. Elle appelle ça la méthode RTPTSS. Donc, ça veut dire identifier votre routine pro personnelle ou professionnelle, déterminer vos tâches prioritaires, vos tâches secondaires et planifier votre semaine. Donc, cet agenda est disponible au Gabon, au Congo et au Sénégal, donc en version papier. Et vous pouvez le commander directement sur le site que vous voyez au bas de l'écran. Je veux aussi vous partager sur le journal de prière de Nadine Francillon. Elle sera même bientôt à Parole de Femme pour une émission. Et cette, ce carnet ici, en fait, c'est un journal de prière qui est de très bonne qualité, j'aimerais dire. C'est vraiment, vraiment un très beau journal. Il est disponible sur le lieu secret.com. Et ce que j'aime de ce carnet, c'est un journal de prière, en fait. Donc, tu peux identifier un partenaire de prière. On a parlé de l'importance de prière lorsqu'on entend des mauvaises nouvelles. Tu peux toi-même avoir des versets. En fait, il n'y a pas de date. Donc, ça peut être quelque chose que tu peux même garder pendant plusieurs années parce que le but, c'est d'écrire tes besoins euh, tes, tes requêtes, d'y prier, de chercher des versets, de méditer. Elle explique l'importance du jeûne, etc. Comment vraiment accompagner notre vie de prière. Et puis après, de voir les prières répondues parce que Dieu répond aux prières. Et des fois, on oublie parce qu'on a prié juste, euh, voilà, on a dit une prière, on a même oublié notre prière. Et la solution est venue, on a même oublié même de, re, de dire merci à Dieu alors que Dieu répond aux prières. Donc, cet agenda est aussi une bonne chose à avoir. De jour à l'intérieur. Oui, il n'y a pas de date. Moi, j'ai trouvé ça. Oui, c'est ça. Euh... <laughs> je vais vous le montrer date. Voilà, tu écris ta date, voilà, ah, tu écris, écris ton sujet de enfin, prière. Ça, sera pas vide, donc. Et voilà. puis après, voilà. Et tu le remplis au fur et à mesure. Tu as même des questions et des réponses aussi. C'est vraiment un bel outil de méditation ouais. de la parole aussi et de prière. Et le dernier que je vais parler, c'est euh, mon lifestyle planner. Donc, on voit les, euh, les, les visuels en ce moment. C'est en fait c'est des fiches prêtes à imprimer pour vous aider dans votre organisation et avoir un meilleur équilibre de vie. Donc, vision de l'année, mais aussi la planification mensuelle, hebdomadaire, mais aussi la santé, les finances, le to-do list, euh, la vie spirituelle. C'est en fait tout. C'est pour ça que ça s'appelle mon lifestyle planner. C'est tout au complet. C'est disponible en téléchargement sur le site. La dame qui l'a mis en place s'appelle Vanessa Andreas. C'est une entrepreneur, une maman, une épouse et qui a un blog en fait pour accompagner les femmes chrétiennes dans leur vie. Donc vous allez pouvoir trouver tout ça sur son site et télécharger également si cela vous intéresse. Donc c'est des outils comme ça qu'on vous présente, qu'on vous suggère alors qu'on rentre dans une nouvelle année. C'est toujours bien de s'équiper, de s'organiser, de, de voir cette année, de, de même prier dès maintenant pour l'année à venir, la recommander entre les mains de Dieu, de recommander vraiment tous vos projets, etc. Donc, vous pouvez avoir des ces bons options. cadeaux aussi, hein, au cas où on veut les offrir euh, à vrai. des personnes. Ah oh, merci Aurélie, savoir à moi. <laughs> Ce que tu offres, <laughs> on va faire un échange alors. <laughs> Donc voilà qui conclut la rubrique culture et médias. J'espère en tout cas qu'elle elle vous a béni comme elle nous a béni. Et merci Pasteur Guy d'être venu encore. J'aimerais vraiment vous remercier pour les émissions que vous avez fait avec nous cette semaine hier et aujourd'hui. On va se retrouver également demain avec vous oui. parce que vous allez nous partager votre témoignage. Oui, j'ai été guéri de l'anxiété et de l'insomnie alors que j'étais pasteur. Alors, euh, wow. à découvrir. À découvrir demain, vraiment. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, wow. absolument. Et j'ai bien hâte d'écouter votre, votre témoignage. Alors, je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. Je vous dis à demain. Demain, notre thème sera Jésus-Christ et la solution. Oui, alors que le monde célèbre peut-être un bébé dans une crèche, demain, nous, nous allons célébrer le roi de gloire, celui qui est, qui était et qui sera éternellement, celui qui revient. Alors, nous allons vous retrouver demain pour une nouvelle émission de Bonjour chez